Les amis, nous sommes aujourd'hui le 5 juin et l'évangile de ce jour nous parle de cet homme qui demande à des vignerons de s'occuper de sa vigne. Et quand il envoie ses serviteurs pour aller chercher ce qui lui est dû, ils frappèrent le serviteur et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il renvoya un autre serviteur, celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Et enfin, quand ils en envoyèrent un autre, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres serviteurs également. Ils les frappèrent les uns et les tuèrent les autres. Puis, il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il envoya donc envers eux ce fils bien-aimé en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons, là, se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tuons-le. Et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui et le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Nous pose Jésus dans cette question. Eh bien, nous pouvons nous poser la question de ce que Dieu va faire quand il viendra au jugement dernier, apporter le jugement. Quand il fera déjà venir son Fils à nouveau pour revenir chercher son Église et tous ceux qui auront accepté le Christ, le Père reviendra pour apporter cette fois le jugement dernier. Et quand viendra le jugement dernier, que croyez-vous qu'il arrivera à tous ceux qui se sont mal comportés avec Jésus et au plus petit d'entre les siens? C'est à Jésus que nous l'avons fait. Alors, soyons honnêtes, soyons sincères, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de notre voisin, regardons ce que nous faisons et enlevons la poutre qui est dans notre œil. Osons regarder ce que nous ne faisons pas et que nous devrions faire. Cessons de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Cessons de penser que nous allons pouvoir faire bien mieux et que quelque part nous n'avons de compte à rendre à personne. Si, toutes nos décisions ont des conséquences, tous nos choix ont des conséquences, et toutes nos décisions doivent se trouver référence ou en tout cas inspiration au travers de la parole de Dieu. Et quand nous lisons le texte de ce jour, nous ne pouvons pas faire fi de ce que la parole de Dieu nous invite à entendre. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Oui, quel que soit le rang que tu occupes dans le plan de Dieu, sache que tout ce que tu fais, tout ce que tu décides, Dieu le voit. Dieu l'entend, Dieu l'écoute et Dieu te demandera de rendre des comptes de chacune de ces décisions que tu auras prises, bonnes ou mauvaises, mais tu devras rendre compte de toutes tes décisions. Et si tes décisions ont conduit à la perte d'un enfant de Dieu, repens-toi rapidement, réconcilie-toi avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Va trouver un prêtre et va te demander pardon à Dieu pour le péché que tu as commis. Si tes gestes, tes attitudes, tes actes ont été source de blessures pour X personnes, même si tu ne l'as pas fait exprès, même si tu ne l'as pas fait exprès surtout, il est plus que temps que tu ailles te repentir et que tu ailles te convertir et changer d'attitude à son égard et à l'égard de Dieu. Parce que Dieu va te demander de justifier de toutes tes décisions et de tous tes actes. Il va montrer ta vie. Et tu vas avoir l'illumination de ta conscience face à toi-même. Et là, tu vas devoir prendre une décision. Ce que l'évangile d'hier nous disait. Car Dieu a tant aimé le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Parce que Dieu n'est pas venu juger le monde, mais le sauver. Et si ta conscience te condamne, ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est ta conscience. Alors mon frère, ma sœur,
Prions ensemble maintenant pour tous ceux qui, à côté de nous, qui vont entendre cet évangile et vont pas se sentir concernés par l'évangile. Père, au nom de Jésus, je te prie afin que cette parole retentisse dans nos cœurs et vienne susciter dans notre cœur le désir de nous convertir et de nous repentir de nos erreurs, de nos actions mauvaises. Père, au nom de Jésus, nous te demandons de venir manifester dans nos vies ce qui a besoin d'être converti et changé pour ta plus grande gloire. Père, au nom de Jésus, viens manifester ta tendresse à notre égard en nous aidant à nous repentir de toutes nos erreurs et de toutes nos décisions mauvaises. Père, au nom de Jésus, fais toutes choses nouvelles dans notre cœur en faisant de nous des véritables témoins de ton amour. Que nous soyons remplis d'humilité, que nous soyons remplis de sincérité dans notre engagement, que nous soyons en vérité avec toi, avec ton Fils et avec ton Saint-Esprit, que nos vies soient empreintes de toi et vivent de ta présence au quotidien. Père, au nom de Jésus, je te prie pour toute notre nature faible et toute notre faiblesse qui nous empêche de te servir et de te suivre. Mais viens changer dans nos cœurs tout ce qui s'oppose à ta gloire, tout ce qui s'oppose à la révélation des fils et des filles de Dieu. Viens, Père, au nom de Jésus, changer notre manière de penser. Viens, Papa, au nom de Jésus, nous convertir et croire que tu es le seul Seigneur, le seul vrai Dieu, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seule notre décision de te suivre ou pas nous incombe. Père, au nom de Jésus, viens toucher nos cœurs et nos vies et change notre pensée à ton égard. Viens changer toutes nos pensées à ton égard. Et que nous ayons dans notre cœur la sincérité de l'engagement et la sincérité de la foi dans toutes les occasions qui nous sont offertes. Au nom de Jésus, j'ai prié qu'il en soit ainsi. Amen. Merci d'exister.